là, à genoux, comme ça, t'es même mieux. Pour rester dans l'histoire, hein, je vais crever là comme ça, et tu sais ce que je vais faire, hein? Je vais m'immoler au Ricard. Voilà ce que je vais faire. Arrête, c'est du gâchis, ça. Non, je vais m'immoler au Ricard en lisant des vers de Jean-Pierre Filastre. Jean-Pierre Filastre? Tu l'as pas connu, Jean-Pierre Filastre? Non, c'est qui? Le poète des employés municipaux, tu l'as pas connu? Pourquoi, il est mort? Bien sûr qu'il est mort, tu sais comment est la vie. La vie est cruelle, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit tous les jours à 4 heures au dépôt. C'était pas n'importe qui, Jean-Pierre Filastre. Jean-Pierre Filastre, c'est le chef de la foirie à Cassel-Sarrazin. Ah. Il est mort un jeudi, le jour du marché. Il était 15h30, ils étaient en plein débriefing au restaurant. Ils étaient là, attablés, toute l'équipe, tu vois, solidaire, c'était beau. Ce jour-là, il mangeait une daube de lapin. Hey, c'est rare, ça. Oui. Hey, c'est trop bon. Oui, oui, c'est bon. Et... c'est bon, mais c'est rare. Oui. Oui. Mais fait, s'il la faut aussi bon que le civet de bœuf, ça fait bien. Oui, voilà. Bref, c'est pas moi qui fais les menus. Oui. Alors, il mangeait cette daube de lapin, il y avait une bonne ambiance, et à un moment, Jean-Pierre Filastre se lève et sort. Ça, c'est la daube, ça. Non, c'est pas la daube. Il sort. Alors, ses camarades continuent à parler, tu vois, parce qu'il était très discret. Il était là, il parlait, oui. Et à un moment, il y en a un qui dit, mais où est Jean-Pierre? L'autre, il dit, c'est vrai, où est Filastre? Où est Jean-Pierre? Où est Jean-Pierre Filastre? Bref, on le cherche, on ne le trouve pas. Figure-toi que Jean-Pierre Filastre s'était effondré dans la benne du camion poubelle. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? L'alcool, peut-être? Mais non, pas l'alcool, il ne buvait que du vin. Non, 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 non. Non, le stress, la pression, il s'est allongé et il est tombé, voilà. Alors un camarade qui ne le savait pas est arrivé à démarrer le camion. Or, tu connais le principe du camion poubelle, tu mets le contact et crac, les dents se mettent en marche. Oh, putain, je l'ai vu, ça, en plus les dents de la benne, là, c'était... Ouais. On ne l'a retrouvé qu'à 5 heures, il est ressorti compacté, mi-homme, mi-cagette, comme ça. Il a eu le César du meilleur employé, oui, quoi. Oui. Il a laissé une femme, tu sais. Ouais, j'espère qu'ils ont trouvé une planque. Non, elle travaillait déjà à la mairie. Non, 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 non. Ils lui ont fait un monument, tout en cagette, avec des agrafes autour, comme ça. La classe, quoi. Ouais. Allez, va, casse-toi, je vais lire un dernier vers de Jean-Pierre Filastre et je vais m'immoler au Ricard. Arrête avec tes conneries, là. Tu me fais froid dans le dos, là. Oui, ben moi, je vais avoir chaud la gueule, moi. Oh. Je te dis, employé municipal, au bord du canal, tu marches contre le vent, petit cheval. Par paire de deux, vous allez à la guerre, armé de balais, vous nettoyez la terre. Sont-ce des saumons qui remontent à la frayère? Non, ce sont eux qui ramassent les ordures d'hier. Sont-ce des dauphins qui plongent et se faufilent? Non, c'est Raymond et Jean-Luc qui rôtent et rotophilent. Putain, sans déconner.